Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir vous saluer les uns les autres dans la joie. Tu dis salut à ton frère qui est à tes côtés, tu dis salut à la sœur qui est auprès de toi. Et je profite aussi pour souhaiter une bonne attention et un bon entendement spirituel à chacun de nous. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien, nous remercions infiniment notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite aujourd'hui pour pouvoir encore nous retrouver ensemble autour de la parole et parler des choses concernant les royaumes de notre Père. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très capital, un passage de très, très important qui va nous instruire, qui va nous enseigner, qui va nous fortifier et qui va nous parler à propos de la réalisation de la promesse de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou encore à propos de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le premier livre du roi. Le premier livre du roi, un roi. Chapitre 1, nous faisons notre première lecture dans 1 Roi chapitre 1, du 1er jusqu'au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus, il est écrit ceci. Le roi David devait avancer en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et monseigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sinamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils d'Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui suis le roi ». Et il se procura un char avec des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait, dès sa vie, fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Adonijah eut un entretien avec Joab, fils de Chérujah, et avec les sacrificateurs Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Josadia, Nathan le prophète, Shimei, Rei et le vaillant Zoma de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre des Oélètes qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni Salomon son frère. Parole du Seigneur. Nous prenons le verset 41 du même chapitre, chapitre 1 du premier livre du roi. Nous lisons le verset 41. Ces bruits fit entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab entendait les sons de la trompette, dit « Pourquoi ces bruits de la ville en tumulte ?»
Nous rendons grâce à notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie encore une fois de plus notre Dieu qui nous a fait grâce de nous retrouver ensemble, envie de partager la parole qu'il a réservée pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que heureux ceux qui ont faim et soif de la parole, car ils seront rassasiés. Maintenant, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous donner une nourriture, qu'il puisse nous communiquer sa volonté parfaite au travers de la prédication que nous allons écouter, qui est une nourriture qui va nous rassasier et qui va étancher notre soif spirituelle que nous avons. Nous demandons à ce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, se manifeste au travers de ces messages. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour ces moments glorieux. Laisse que cette parole soit une parole qui communique ta volonté, une parole qui change de vie. Selon qu'il est écrit que errés qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés de ta parole, et nous voulons que notre soif soit étanchée par l'eau de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous condamnons tous ceux qui ne t'honorent pas. Nous les renvoyons jusque dans le lieu le plus reculé. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'épisode que nous venons de lire, c'est une histoire qui nous parle de la fin du royaume de David, de la fin de la vie du roi David. Tous les lecteurs de la Bible sont sans ignorer que David était un roi fort et puissant. C'était un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui avait reçu l'onction de Dieu par le truchement du prophète Samuel. Nous savons tous que quand le peuple d'Israël était sorti du pays de l'Égypte, c'est Dieu qui était leur roi et il était aussi leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient conduits par une forme de pouvoir que nous appelons un pouvoir autocratique, c'est-à-dire théocratique plutôt. C'est-à-dire c'est une forme de pouvoir où l'autorité qui dirige le peuple est une autorité spirituelle ou religieuse. Une autorité religieuse qui dirige le peuple. C'est-à-dire ici, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui dirigeait son peuple. Il était lui-même le roi, il était lui-même au même moment leur Dieu. Mais quand le peuple d'Israël voulait imiter tout le peuple des nations qu'il rencontrait sur leur chemin, ils ont demandé un roi à Moïse. Ils ont dit, nous voulons un roi. Et là, c'était juste après la mort de Moïse, quand le prophète Samuel était encore en Israël, il dirigeait le peuple avec la parole comme prophète dans sa génération. Ils sont allés vers le prophète, ils ont dit, nous voulons un roi et nous voulons être comme toutes les nations qui sont sur la face de la terre. C'est alors que le prophète Samuel va demander à Dieu sa volonté pour savoir répondre aux besoins du peuple. Et Dieu va révéler au prophète Samuel d'éteindre Saoul, fils de Kis de la tribu de Benjamin, comme roi en Israël. Or, si nous lisons bien la parole de Dieu dans les livres de la Genèse, chapitre 49, là où le prophète Jacob était en train de prophétiser sur les 12 tribus d'Israël et sur Manassé et Ephraïm qui étaient ses deux petits-fils, c'est-à-dire les fils de Joseph. Et chaque tribu avait reçu de la part de Dieu par la bouche de son prophète Jacob, une prophétie. Or, la prophétie concernant la royauté ou l'autorité royale a été faite sur la tribu de Juda. Maintenant, quand le peuple a demandé un roi à Dieu, quand le peuple voulait recevoir de Dieu une instruction, une autorisation d'élire un roi ou que Dieu puisse établir un roi ciré, le peuple avait quitté la vraie parole de Dieu, s'était déjà éloigné de la parole de Dieu. Et c'est juste après que Dieu, pour montrer au peuple qu'il n'était pas d'accord avec eux,
Il a dit au prophète Samuel, ce peuple, en demandant un roi, il me rejette moi qui a toujours été leur Dieu et leur roi. Et c'est alors que Dieu va demander au prophète Samuel d'aller oindre Saoul, le fils de Kis de la tribu de Benjamin. Or, en réalité, la tribu de Benjamin n'avait pas la promesse de la royauté. Cette promesse était liée à la tribu de Juda. La tribu de Benjamin avait reçu une autre promesse, si vous lisez dans Genèse chapitre 49. Et le prophète va aller oindre Saoul comme roi en Israël. Or, si nous regardons très bien dans la parole, nous allons voir que l'onction de Saoul et celle de David sont des onctions différentes. Non seulement parce que l'une avait été exercée, lui, il avait été, on avait utilisé la corne pour l'une, et dans l'autre, on a utilisé une fiole. Mais parce que si nous regardons bien dans la parole de Dieu, le prophète était assis. Par rapport à l'onction de Samuel, de Saoul plutôt, c'est Saoul qui s'était égaré parce qu'il était allé à la recherche des ânesses de son père. Il est allé vers le prophète. Et mais si nous regardons dans l'histoire de David, c'est Dieu qui avait déplacé le prophète de là où il était pour aller jusqu'à Bethléem, oindre le roi. Il y a l'un qui se déplace pour aller vers le prophète et l'autre qui attend la parole de Dieu là où il était. C'est pourquoi, quand Dieu a trouvé David, Dieu dit ceci, « J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. » Il dit, « L'ennemi ne les surprendra pas. Je l'ai oint d'une huile fraîche. » Et c'est pour cela que ceux qui ne comprennent pas très bien la parole, ils disent que non, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a fait tuer Uri, il a pris la femme d'Uri Bathsheba. Or, David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Par rapport, après avoir tué Uri, et quand Dieu parlait, il disait que David était l'homme selon mon cœur. C'était par rapport à la prophétie faite à la tribu de Juda. Et Dieu voyait en David la descendance, les rejetons de David qui est Christ. Donc quand Dieu parlait de David, il ne faisait pas allusion à David, le père de Salomon. Mais Dieu faisait allusion à Christ, qui était de la descendance de David. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu avait interdit à David de construire un temple pour lui. Il dit, toi tu es un sanguinaire, tes mains sont remplies de sang. C'est par la bouche du prophète Nathan. Comment Dieu pouvait encore interdire à quelqu'un qui marchait selon son cœur de lui construire un temple? Il dit, c'est Salomon qui le fera à ta place. Tu peux acheter tous les ustensiles, tout le matériel, et moi j'enverrai au temps convenable, celui qui sortira de toi, c'est-à-dire Salomon, c'est lui qui bâtira le temple. Donc, quand Dieu parlait de David, l'homme selon mon cœur, il faisait allusion à la descendance de David. Il faisait allusion à Christ. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans la parole que David lui-même appelle le Christ et son Seigneur. Et quand David parlait lui-même, il dit ceci dans les prophéties, il dit, qui ne permettra pas que ton saint voie la corruption. Or, David dont nous parlons aujourd'hui, dont nous prêchons aujourd'hui, David qui est le papa de Salomon, le père de Salomon, est mort. Et son sépulcre, selon les témoignages des actes des apôtres, est ici sur terre. Mais nous savons qu'il y a un homme qui était scellé en David, qui devait sortir de David, qui est aussi le fils de David, c'est-à-dire les descendants de David, qui n'a jamais connu de corruption, parce qu'il était descendu aux enfers, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en captivité, il est sorti libre et vainqueur, il a ravi les clés de ses jours de mort, il a publié une année de grâce pour les nations. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu est en train de lire la parole, il doit faire très très attention, parce qu'on ne fait pas une interprétation particulière à la parole de Dieu. On laisse la parole s'interpréter elle-même par la puissance de l'Esprit. Or, maintenant ici, le David que nous prêchons, c'est David qui était papa de Salomon. Il était devenu vieux. Après avoir tué Goliath, après avoir
régner en Israël, régner en Hébron, régner à Sirjida. David était devenu vieux. Or, Dieu avait dit à David, « C'est lui qui sortira de toi. Quand il s'assiera sur ton trône à toi, c'est lui qui construira le temple, là où j'ai résiderai mon nom. » Or, David gardait cette promesse. Et comme David avait écouté la parole de Dieu, il a maintenant fait, il a parlé à la maman de Salomon, c'est-à-dire à Bathsheba, et au prophète Nathan, tous ceux qui étaient au service des rois connaissaient la prophétie que Dieu avait faite sur David à propos du temple et à propos de sa succession. Maintenant, or David avait aussi un autre fils qui s'appelait Adonija, qui était le frère d'Absalom. Mais la Bible nous dit ceci, quand David était devenu vieux, ce jeune Adonija s'est improvisé dans la royauté. Il s'était autoproclamé roi. Il avait avec lui 50 personnes. Il est allé convaincre Joab, qui était le chef de l'armée à cette époque. Il a encore parlé avec Abiathar, qui était un sacrificateur. Il a organisé une fête. Il a créé un parti politique, un mouvement, et tout le monde était derrière lui dans ce qu'il a organisé comme des manifestations. Il s'est autoproclamé roi. Maintenant, quand le prophète Nathan, qui n'était pas invité, a entendu ces choses, il est allé voir Bathsheba, la mère de Salomon, pour lui faire comprendre ce qui était en train de se passer, pour qu'on explique au roi David ce que Adonija avait fait. Et nous avons lu déjà l'histoire, nous connaissons l'histoire dans son entièreté. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir comment est-ce que les choses s'étaient passées. Mais là où nous avons quelques points à développer dans ces passages bibliques, la première chose qui m'a frappé pendant que je m'étais mis en train de lire ces passages bibliques, c'est quand Adonija, la Bible, et quand elle parle d'Adonija, la Bible dit Adonija, fils d'Agit. La Bible n'a jamais parlé d'Adonija, fils de David. Or, quand la Bible parle de Salomon, on fait toujours allusion à David qui était son père. Or, Adonija et Salomon, tous deux étaient fils de David. C'est-à-dire, quelque part, la Bible, il y a une vérité qui est cachée quelque part, qui nous montre que même spirituellement, si nous lisons, nous allons voir, si nous lisons l'histoire, que bien que Adonija était fils de David, mais Adonija était lié à une autre personne que David. Or, les noms reflètent la sémence et révèlent notre identité spirituelle. Maintenant, quand on attribue à Adonija une lignée quelconque, c'est-à-dire Agit, c'est la maman d'Adonija. C'est-à-dire, quand on dit qu'Adonija, fils d'Agit, c'est-à-dire que même la Bible elle-même ne reconnaissait pas à Adonija la sémence de David, les porteurs de la sémence spirituelle. Parce qu'on peut être un enfant biologique d'une personne sans pour autant porter une sémence spirituelle venant de cet homme. Or, le problème de la sémence, c'est un problème qui est spirituel, lié à la vision, lié à la paix et à la prophétie de Dieu. Donc, Adonija ne s'identifiait même pas à la parole que l'Éternel Dieu avait faite sur les trônes de David. Mais il était là. Or, la Bible, quand elle parle de Salomon, elle parle de Salomon comme fils de David. Cela suppose que Salomon portait la sémence de David. Vous savez, un enfant doit porter la sémence spirituelle de son père qui est Dieu. Parce que c'est lui qui est porteur de la sémence de Dieu, qui est la vraie parole. Il va facilement s'identifier à la vraie prophétie de la parole que nous avons hérité des apôtres.
Maintenant, celui-ci qui n'était pas lié à la promesse de David, il va s'autoproclamer parce qu'il avait vu que David était tombé malade. Adonija s'est autoproclamé roi. Il a rassemblé le peuple. Il a créé un parti, un mouvement politique pour prendre les trônes de force. Il a profité de la faiblesse de son père. Il a profité de la vieillesse de David. Il a profité de sa maladie. Parce qu'à cette époque, le roi David était déjà devenu vieux. Mais lui a profité de cette faiblesse. Vous savez, Adonija, il représente, il est une image de personnes qui veulent établir leur autorité sur les faiblesses des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui cherchent les faiblesses des autres pour en faire leur élévation. C'est-à-dire des gens qui font asseoir leur bénédiction sur les erreurs des autres, sur les fautes des autres. Il y a des gens qui cherchent les erreurs des autres pour qu'en revanche, ils puissent apparaître saints ou puissent encore établir leur autorité. C'est ce qu'Adonija fait. Il y a eu des gens qui ont même construit des églises parce qu'ils s'étaient appuyés sur les faiblesses des autres pasteurs. Au lieu de dire que toi tu es mon frère, la manière dont tu te comportes n'est pas digne de l'évangile, mais il s'appuie sur les faiblesses des autres pour faire ce qui lui semble bon et asseoir son autorité. Mais ce n'est pas ce que la parole du Seigneur nous recommande. Or, un enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu, il n'a pas besoin de se servir des faiblesses des autres pour faire voir aux gens qu'il est appelé de Dieu. Il a besoin de garder calme dans son temps, de rester concentré sur ses objectifs, afin que la puissance de Dieu se manifeste elle-même dans sa vie pour confirmer la parole que Dieu lui a dite. Il a profité de la faiblesse de son père, de sa maladie, il s'est autoproclamé roi. Or, il y a eu usurpation. Maintenant, après, quand les gens ont appris cela, la Bible dit que Adonija a invité tous les fils du roi, hormis Salomon son frère. Parce qu'ils savaient que Salomon avait la promesse de la royauté. Ils savaient que c'est Salomon qui devait régner à sa place, à la place du roi plutôt. Mais lui n'a pas invité Salomon à sa fête. Il n'a même pas invité le prophète Nathan. Tous les gens qui étaient spirituels, tous les gens qui étaient bons, tous les gens qui pouvaient s'accrocher à la parole, tous les gens qui pouvaient leur apporter un soutien spirituel, un encouragement clair, ou bien les redresser, il ne les avait pas invités. C'est ça un homme qui s'égare. Vous savez, quand une personne s'égare déjà, il ne va plus être à l'aise de rester au milieu de ceux qui ont encore une portion de la lumière, de ceux qui sont encore capables de lui montrer le chemin. Et il s'est éloigné d'eux. Et quand le prophète Nathan a envoyé les gens, la maman Bathsheba vers David, il dit, va auprès du roi, explique au roi comment les choses se passent. Et quand Bathsheba a expliqué au roi David que c'est toi qui avais dit, Dieu avait parlé par ta bouche, que ton fils Salomon régnera sur ton trône après toi. Mais comment Adonija s'est autoproclamé roi et il a régné autour de lui quelques sacrificataires. Et Joab même, le chef d'armée, est avec lui. Et le roi David. Or, Adonija ne savait pas. En agissant ainsi, il était en train d'ouvrir un chemin pour l'élévation de Salomon. Parce que le roi David, quand il a pris ça, il a ordonné directement que les prophètes Nathan et les autres sacrificataires fassent monter Salomon sur sa mule pour que Salomon soit roi aussi roi d'Israël. Parce que la promesse était faite sur Salomon. Mais Adonija voulait s'accaparer de la promesse de Dieu. Et quand on a pris ces choses, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui s'était passée ce jour-là. La chose qui s'était passée parce que la parole du Seigneur dit ceci. Là où la mort du testataire n'est pas encore attestée,
les testaments restent encore. Les testaments ne peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire quoi? Là où les testaments ne peuvent être modifiés que si la mort du testataire est attestée. C'est lui qui a écrit les testaments dès son vivant. Il a encore le pouvoir de changer les testaments. Oh, mais là où nous lisons dans cette histoire, David qui était le grand testataire, qui avait écrit les testaments, que après ma mort, c'est Salomon qui régnera à ma place. Il était encore vivant, mais on a accompli les testaments parce qu'il y avait une personne qui voulait combattre la promesse de Dieu. Alléluia. C'est là où moi j'ai compris les choses. Si une personne a la grâce de Dieu, si une personne a la promesse de Dieu, il doit savoir ceci, que chaque combat qui vient dans ta vie ne vient que pour t'approcher de ta promesse et de l'accomplissement de tout ce que Dieu a déclaré sur toi. Parce que ce n'était pas le temps prévu pour la montée au trône de Salomon. Ce n'était pas encore le moment prévu pour son intronisation, parce que le roi David était encore vivant. Mais comme le roi David était vivant, il était impossible que Salomon puisse monter sur le trône. Mais ce qui a fait que Salomon puisse monter sur le trône, c'est les comportements d'Adonija. Quand il a commencé à combattre quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui était assis calme, lui il pensait que c'était un combat. Or, c'était un combat qui provoquait la bénédiction de Salomon. C'est là où moi j'ai compris une chose. Il y a des combats qui viennent dans nos vies. Ces combats ne viennent que pour provoquer notre bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta vie, il y a des combats. Il y a des problèmes qui arrivent. Mais tous les problèmes ne vont pas arriver pour te détruire. Tous les problèmes ne vont pas arriver pour que toi tu sois dans l'échec. Mais il y a des problèmes qui viennent pour que toi tu sois élevé, pour provoquer ta bénédiction. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, les situations qui t'entourent, les difficultés qui t'embêtent à tout moment, ne sont là que pour provoquer ton élévation. Alléluia. Adonija s'est hasardé de prendre le trône. Il a pris des gens avec lui. Il a acheté la morale des gens. Après, il est allé faire une fête. Il n'a pas invité Salomon, mais lui ne le savait pas. Si toi tu n'as pas invité Salomon, mais il y a quelqu'un qui le connaît, qui l'a invité. Toi tu as invité les gens quelque part, mais Dieu a invité Salomon sur le trône, l'a invité sur les grands rendez-vous. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ne t'inquiète pas, même si tu es délaissé par les autres, si tu es abandonné par les autres, mais il y a quelqu'un qui a un rendez-vous avec toi. Il y a quelqu'un qui a fixé un rendez-vous avec toi. Et ces jours-là, de ces rendez-vous-là, c'est un rendez-vous pour ton miracle. C'est un rendez-vous pour ton élévation. C'est un rendez-vous pour ton mariage. C'est un rendez-vous pour que toi, tu sois guéri de ta maladie. C'est un rendez-vous pour qu'il change ta destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Adonijah ne comprenait pas. Lui, il savait seulement. Il se disait, non, tu vois ce petit Salomon, il ne sait pas. Moi, je vais le surprendre. J'ai déjà tout fait. J'ai créé un parti politique. Il a déjà persuadé le peuple. Il a gagné beaucoup de gens. Il a convaincu la foule. Il avait déjà les chefs de l'armée. Il avait des militaires à ses côtés. Il avait aussi quelqu'un qui faisait office de sacrificateur. Un sacrificateur aveugle qui ne comprend pas les choses, comment elles vont selon la parole de Dieu. Mais cette fête, c'était seulement pour provoquer la grande fête. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, tous les combats que tu as dans ta vie, tous les problèmes que tu as, ne sont pas là pour te détruire. Il y a des problèmes qui viennent pour que toi tu sois guéri. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer la main de Dieu dans ta vie. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer le succès de Dieu dans ta vie. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer le mariage. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer le succès. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer des grandes bénédictions dans ta vie. Puisque quand le diable vient, lui ne sait pas, parce qu'il n'est pas omniscient. Le diable, quand il attaquait les enfants d'Israël, il a commencé bien avant à attaquer le peuple d'Israël. Il a inspiré au roi Pharaon de détruire tout le premier-né mâle des Hébreux.
Mais lui, il ne savait pas. Les jours où le roi Pharaon avait pris la décision de détruire tous les premiers-nés mâles des Hébreux, c'est ces jours-là que Moïse s'était retrouvé dans sa propre maison. Alléluia. Les jours où on a pris l'idée de te combattre, les jours où on s'était réunis dans la réunion pour te détruire, c'est ces jours-là que ton élévation avait commencé. C'est ces mêmes jours que tu entreras dans le palais royal. C'est ces mêmes jours que tu seras ramassé par ceux qui vont te faire entrer dans le palais royal. Bien aimé, je vais te dire une chose. On a pris l'enfant Moïse, qui était encore un enfant. On l'a mis dans un panier. On a encerclé un panier encerclé par des victimes. On l'a posé dans une rivière. Oh, et Mariam était là. Elle s'est posé des questions. Elle s'est demandé, mon jeune frère, nous te laissons sur la rivière. Nous ne savons même pas ce qui va t'arriver demain. Or, ces jours-là, quand on a déposé Moïse sur la rivière, il était entré sur le chemin de ta destinée, de sa destinée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu vois les choses semblent se compliquer, si tu vois le contraire de tout ce que Dieu t'a dit, dis-toi que Dieu s'approche de toi. Puisque avant la réalité de la prophétie, avant l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, il y a d'abord le contraire de la prophétie qui s'accomplit d'abord premièrement. Parce que le jour où Dieu avait révélé à Joseph, Dieu lui avait montré dans une vision, il lui dit, tes frères se prosterneront devant toi et tu régneras sur tes frères. Mais bien avant que cela ne se réalise, Joseph s'était prosterné devant ses frères. Il dit à ses frères, ne me vendez pas, je suis votre frère, pardonnez-moi. C'est lui qui s'était agenouillé d'abord, premièrement, avant la prophétie. Il y a d'abord l'ombre de la prophétie qui vient. Avant l'accomplissement de la parole, il y a d'abord le contraire de la parole. Ces jours-là, Moïse était entré sur les chemins de sa destinée. Oh, il est allé juste là où s'est baignée la fille du roi. Et ces jours-là qu'il était entré dans le palais royal. Oh, l'enfant que le roi cherchait pour tuer, l'enfant qui devait tuer, c'est lui-là qui était entré dans son palais. Je vais te dire une chose, ceux qui vont te haïr, ceux qui vont chercher à se tuer, c'est eux qui te béniront, puisque la parole du Seigneur dit ceci, quand le Seigneur approuve les sentiers d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ces jours-là, Adonijah était disposé favorablement pour la bénédiction de Salomon. Mais lui, il ne savait pas. Lui, il pensait qu'il était en train de combattre Salomon. Lui, il pensait qu'il était en train de devenir roi. Or, il avait réuni la foule pour que toutes les nations, tout le peuple, tout ce qui était autour de lui, sache que Salomon est un roi. Il a provoqué la bénédiction. Voilà pourquoi je vais te dire la situation que tu traverses, le problème qui t'arrive, les difficultés que tu as, la maladie que tu as, les chômages que tu as, les situations difficiles que tu ne peux même pas nommer, que tu as connues dans ta vie. Depuis que tu es ici, tu ne fais qu'échouer. Les échecs que tu as, dans l'échec, Dieu est capable de faire sortir de la victoire. C'est comme dans le désert, il est capable de faire sortir de l'eau. Là où il y a la mort, il avait fait sortir la vie. Dans les tombeaux, il a fait sortir quelqu'un qui était vivant. Il a ressuscité, il a appelé Lazare. De son tombeau, il est sorti. De l'échec sort la victoire. Du fort sort les doux. Du doux sort ce qui se mange. C'est ce que la parole du Seigneur déclare. Ce que tu rencontres comme difficulté ne sont là que pour ton élévation, pour ta bénédiction, car tous ceux qui te combattent ne font que provoquer ta bénédiction. Alléluia. Il a provoqué la bénédiction de Salomon. Il n'a pas invité Salomon. Il n'a pas invité le prophète Nathan. Tous ceux qui étaient spirituels étaient haïs par Adonijah. Il avait la force militaire. Il avait quelque part un sacrificateur égaré qui était avec lui. Le sacrificateur Abiathar qui était séduit par lui. Il y avait l'armée. Quelque part, c'était une association politico-religieuse. Parce qu'il y avait d'une part l'armée, d'autre part, il y a la sacrificative. Et les politiciens étaient là. Adonijah s'est improvisé. Bien-aimé, je vais te dire une chose. On ne s'improvise pas dans la vie. Mais on ne vit que la réalité de ce que Dieu a tracé dans ta vie. Ne t'improvise pas, bien-aimé. Si tu sais que tu as la grâce de Dieu, si tu sais que Dieu t'a choisi, si tu sais que Dieu a réservé un jour pour toi, si tu sais qu'il y a un trône sur lequel tu t'assieras,
Attends seulement que David meure. Ne précipite pas les choses. Parce qu'il y a une différence entre la rapidité et la précipitation. Alléluia. C'est ce qui est important pour un enfant de Dieu. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Si tu viens avant le temps, bien-aimé, tu échoueras. Il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher selon ce que Dieu a dit. Salomon était calme. Ce sont les autres qui plaidaient à sa place. Salomon n'avait pas vu son père. Il n'avait pas vu le roi. Mais ce sont les sacrificataires. Ce sont d'autres personnes qui plaidaient sa cause. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Si Dieu veut accomplir une chose dans ta vie, il va susciter les personnes qui vont parler du bien de toi. Il va susciter des gens qui vont te comprendre ce jour-là. Il va susciter des gens qui vont témoigner pour toi. Il va susciter des gens, même si tout le monde est contre toi, quelques-uns parleront de toi. Puisque si le Seigneur veut faire un miracle dans la vie d'une personne, quand un juste est condamné même injustement, le cœur des justes se brille la nuit. Il y a le feu qui brille. Et Dieu parle dans les cœurs des justes. Si vous lisez même l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que les jours où le Seigneur Jésus-Christ était devant Pilate, la femme de Pilate avait fait un songe. Et elle est venue trouver son mari et lui dit, laisse cet homme s'en aller, il est innocent de tout, il ne connaît rien. Et Pilate a pris un bassin avec de l'eau, il s'est lavé les mains. Il dit, non, vous voulez gérer vous-même ces histoires selon votre loi, moi je m'abstiens. Vous comprenez un peu, puisque Dieu a parlé, là où il y a un homme juste qui souffre injustement, Dieu utilise toujours ces instruments qui sont là. Dieu permet que d'autres personnes puissent nous combattre pour qu'ils nous amènent. Or, la parole du Seigneur dit ceci. Aussi longtemps que la mort du testateur n'est pas encore attestée, on ne peut pas encore accomplir les testaments. L'héritier ne peut pas jouir encore de ses testaments. Aussi longtemps que le testataire n'est pas encore mort, il est encore vivant. Mais ces jours-là, la loi a changé. Laisse-moi, je vais te dire une chose. Il y a une loi qui a été faite. Il y a une loi qui a été dite. Il y a une loi qui a été déclarée. Mais moi, je te dis, puisque toi, tu as un testataire qui ne meurt pas, il est toujours vivant. Il était déjà mort pour que les promesses se réalisent dans ta vie. Aujourd'hui, il est vivant, il veille, même de son vivant, il est capable de réaliser toutes les promesses qu'il a faites sur toi. Et Adonijah est allé. Et bien aimé, ce jour-là, il y a eu des fêtes. Adonijah est allé avec ces gens, là où il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas la trompette, il devait être sacré roi. Il devait être consacré. Mais une consécration sans huile et puis une consécration sans trompette, puisque la trompette c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il mangeait, pendant qu'il vivait, pendant qu'il festoyait, pendant qu'il était dans l'ambiance, ils ont entendu les sons de la trompette. Joab a entendu les sons de la trompette. Et quand ils ont entendu les sons de la trompette, après ils ont vu Jonathan qui venait. Ils lui ont posé la question de savoir pourquoi c'est timide parmi les peuples. Parce que la Bible a dit pourquoi ces bruits, pourquoi c'est timide dans le livre des Actes des Apôtres parmi le peuple, pourquoi c'est timide parmi les nations. Les rois des nations se sont livrés contre ton roi. C'est-à-dire, quand les gens s'étaient ligués ici, contre, loin de l'Éternel, qui était Salomon, il y a eu des timides, il y a eu un bruit. Or, c'était un bruit qui annonçait quelque chose. C'était la trompette de la parole qui annonçait réellement que l'accomplissement de la vraie parole de Dieu s'est accompli sur telle personne. Et la Bible dit, ils ont écouté. Maintenant, les rapporteurs ont commencé à expliquer comment le roi David lui-même s'était prosterné devant même le roi Salomon. Il était monté sur les chars du roi, sur son cheval. Il était conduit par le prophète avec la trompette et avec de l'huile.
Mais là où elle était, il n'y avait pas de l'huile, il n'y avait pas de trompette, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de parole, c'est-à-dire c'était une fête sans Dieu. Et quand maintenant le peuple a commencé à écouter la trompette, tout le monde est retourné. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous vous réunissez là où il n'y a pas les sons de la trompette, là où il n'y a pas l'huile, n'y allez pas. Là où il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la parole. Là où il n'y a que la forme, il n'y a que la mort. Parce que là où Dieu est, il y a la puissance. Là où Dieu est, il y a la parole. Là où Dieu est, il y a la sanctification. Mais comment on peut avoir seulement la sanctification sans la puissance et sans la parole? C'est une fausse sanctification. C'est du formalisme. C'est un comportement religieux. C'est de la religiosité. Ils étaient là ensemble. Et les sacrificateurs étaient là. Et quand maintenant le peuple a commencé à écouter le son de la trompette, chacun rentrait chez lui. Bien aimé, il faut faire très attention. Dans les rassemblements, quand nous nous réunissons, quand nous nous assemblons, nous devons savoir qu'est-ce qui nous ensemble, qu'est-ce qui nous réunit. Est-ce qu'il y a vraiment le son de la trompette? Est-ce qu'il a vraiment écouté le son de la trompette? Avant même de suivre quelqu'un, avant même de marcher avec quelqu'un, tu dois être sûr d'avoir entendu le son de la trompette. Parce que même sacrificateur était là. Abiathar était là. Comment lui qui connaissait la parole de Dieu, il pouvait encore suivre cet homme, lui qui connaissait la promesse, bien aimé dans le Seigneur? Attention, parce qu'il y a des gens qui suivent les gens, parce que tel a prophétisé, on le suit, parce que tel a prié pour quelqu'un, il est guéri, on le suit. Ça, ce sont les manifestations, mais la parole et l'identification de la parole qui atteste le miracle de Dieu doit être prouvée, attestée et éprouvée. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont comme les invités d'Adonija aujourd'hui, ils sont nombreux. Aujourd'hui, des Adonija sont nombreux, ils ont construit des églises. Et les invités sont là. Des gens qui n'ont jamais écouté le son de la trompette. Mais moi, je t'ai dit une chose. Même si par erreur, un Élie a suivi Adonija, le jour où il écoutera le son de la trompette, il entendra le son de la trompette. Il sortira de ses rassemblements pour s'accrocher à la parole, croire à la véritable parole que Dieu a donnée à l'église. Il y a des rassemblements comme ça. Les invités d'Anonija, ce sont des gens qui sont sentimentalistes. Ce sont des gens qui suivent la nourriture. Moi, je vais dans telle église parce qu'on a construit. Moi, je vais dans telle église parce que le pasteur de cette église est tel. Et il est connu. Moi, je vais dans telle église parce que c'est une église qui commence depuis longtemps. Moi, je vais dans telle église parce qu'il y a ça. Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu le son de la trompette? Est-ce que tu as vérifié qu'il y a de l'huile? Les invités d'Adonija, ils sont nombreux dans les églises. Ils sont là pour le spectacle et non pas pour écouter la parole. Quand un prédicateur prêche des histoires qui les concernent, ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais si on prêche des choses qui correspondent avec leur vie, ils disent amen, alléluia, Hosanna Nzambe, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as écouté le son de la trompette? Mais ceux qui sont de Dieu, quand ils écoutent le son de la trompette, ils se retirent. Il se retire pour s'attacher à Salomon, qui est l'image de Christ, pour s'attacher à la vraie parole. Puisque le roi David lui-même s'était prosterné devant Salomon. Il s'est prosterné devant Salomon. Il a cédé son cheval. Il a laissé ses amis royaux. Il a laissé la trompette sonner. Il n'y a jamais eu en Israël une période où un roi vivant a assisté ou participé à l'intronisation de son successeur. Il n'y a jamais eu un tel temps. Mais ces jours-là, à cause du combat, à cause du comportement d'Adonija, Dieu a précipité les choses. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu est en train de précipiter les choses dans ta vie. Mais tu dois être parmi les invités de Salomon. Les invités de Salomon sont invités par les sons de la trompette parce qu'ils ont vu de l'huile. Ils ne suivent pas Salomon,
Mais ils ont écouté le son de la trompette, puisque le prophète Nathan est là. Ils ont écouté le son de la trompette. Et tout le monde était là. Il y avait une confusion totale. Adonija fêtait sans onction, sans huile. Et la Bible dit, quand le son de la trompette retentit, la terre est ébranlée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand la vraie parole de Dieu est annoncée, quand la parole de Dieu est prêchée dans sa véracité, dans sa totalité, la terre ébranle. Vous savez, même sur les chemins de Damas, les jours où les disciples étaient en train de marcher avec le Seigneur, bien qu'ils ne connaissaient pas encore que c'était le Seigneur Jésus qui leur était à Paris, mais après, quand ils avaient reçu la révélation, quand ils avaient compris que c'était le Seigneur, ils se sont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin? Quand la vraie parole est prêchée, quand la vraie parole est annoncée, les cœurs des vrais enfants de Dieu brillent au-dedans d'eux. Ils disent dans leur propre cœur, Seigneur, que feras-tu? Que feras-tu dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Où irai-je encore? Ces jours-là, même quand le Seigneur a prêché la parole, les disciples s'étaient retirés de lui. Quelques formalistes et quelques suiveurs, les gens qui sont là parce qu'ils avaient mangé du pain hier, ils sont encore venus aujourd'hui, par sentiment, par exhibitionnisme, ils étaient là pour qu'on le voie. Et le Seigneur s'est retourné et il dit aux disciples, mais vos frères sont partis, pourquoi vous n'êtes pas partis? C'est alors que Pierre, poussé par l'esprit, lui dit, où irons-nous, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la parole de vie. Puisque la parole de vie, c'est une parole qui est forte. C'est une parole qui interpelle. C'est une parole qui touche l'âme. C'est une parole qui bouleverse l'intérieur. C'est une parole qui connecte l'homme avec son Dieu. Là où il y a la parole de vie, il n'y a que peu de personnes. Mais tout le monde court vers les festins d'Adonijah. Ces jours-là, il y avait une défaite. Défaite, les défaites dont nous présentons, c'est l'image des mouvements, des rassemblements. Il faut faire la part des choses entre un mouvement politique et une église du Seigneur. Entre une ASBL et une église. Puisque dans l'église de Dieu, il y a la vie de Dieu manifesté par la parole. Et il y a les signes qui attestent la parole de Dieu qui est prêchée. Et tout le monde a su ce jour-là que Salomon était roi en Israël. Il est monté sur le trône. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne va pas avec précipitation. Attends le son de la trompette. Attends ton temps. Dieu est en train de brisquer des choses. Pour les uns. Il est en train de brisquer les choses pour les autres. Même si le temps n'est pas encore arrivé. Mais Dieu est capable de brisquer les choses. C'est pourquoi quand il y a des combats dans ta vie, quand il y a des problèmes qui t'arrivent, quand il y a des situations difficiles, même à expliquer. Vous savez même que dans nos vies, il y a même des situations qui sont difficiles à expliquer. Quand vous voyez de telles situations qui vous arrivent, vous voyez de telles choses arriver dans votre vie, dites-vous que les combats approchent à la bénédiction. Les combats provoquent la bénédiction. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait des adversaires, il faut qu'il y ait des opposants, il faut qu'il y ait des gens qui s'accaparent de ta prophétie, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent à s'accaparer de la parole de Dieu. Pour que Dieu entre dans l'action. Même dans la parole, il y a plusieurs exemples qui sont bibliques. La verge d'Aaron, depuis toujours, la verge d'Aaron n'a jamais porté de fruits. Depuis toujours, la verge d'Aaron a toujours resté une verge sèche. Mais ces jours-là, quand il y avait des conflits, il y a eu des combats, il y a eu des confusions. Moïse est allé vers Dieu, il a dit, mais
Qu'est-ce qu'il y a encore? Le peuple ne veut plus de nous. Il nous combat à tout temps. Dieu dit non, c'est pas grave. Comme les combats suscitent toujours, provoquent toujours la bénédiction et la confirmation, prenez leurs verges. Moïse a pris les verges de tous les anciens, de tous les sages, tout celui qui disputait le pouvoir, tout celui qui disputait les ministères, tout celui qui dispute la chair dans les églises. Ils disent non, donnez vos verges. Il est allé avec les verges à la tente d'assignation. Il a laissé les verges là-bas. Et demain, quand il est revenu, la Bible dit que la verge d'Aaron avait fleuri. Elle avait porté des amandes. Mais s'il n'y avait pas de réclamations, s'il n'y avait pas de combats, s'il n'y avait pas de confusion, la verge d'Aaron ne pouvait-elle porter des fruits? C'est-à-dire, les combats ne font que susciter la colère de Dieu et provoquent la bénédiction. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui dans ma vie que tout combat qui m'arrive n'arrive pas toujours pour me détruire. Toute situation difficile qui arrive dans ta vie ne vient pas pour te détruire, pour te rendre faible. Il y a d'autres situations qui arrivent pour te rendre fort. Il y a d'autres situations qui arrivent pour te rendre heureux. Il y a d'autres situations qui arrivent pour que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Mais nous avons vu beaucoup d'exemples. Il y a plein de points à développer dans ce passage. Mais ce serait qu'aujourd'hui, qu'on termine par ici. Les premiers conseils à retirer, à tirer de cette leçon, c'est qu'il ne faut pas profiter des erreurs et des faiblesses des autres pour faire asseoir son leadership, comme l'a fait Adonijah. Il a profité de la vieillesse, de la maladie de son père, pour s'autoproclamer roi. Oubliant que son grand frère Absalom s'était aussi autoproclamé roi, jusqu'à prendre les femmes de son père. Mais il connaissait la fin de son frère Absalom. Et il a fait ça. Et sa fin était aussi la mort. Bien qu'il ne portait pas la même sémence. Bien-aimé, c'est très important. Même dans l'église, même dans le ministère, il faudrait que ceux qui sont tout autour, dans une église, qui écoutent la parole, portent la même sémence de la parole, doivent comprendre la vraie parole de Christ. Nous devons chercher à nous identifier à la parole, en la vraie parole. Et si quelqu'un s'identifie à la parole, il y aura des signes extraordinaires qui vont se réaliser. Et Dieu marchera toujours avec une telle personne. Mais si quelqu'un est sentimentaliste, il va se retrouver dans les festins d'Adonijah. Il sera un invité d'Adonijah. Il va aller pour manger, pour boire. Après, quand il écoutera le son de la trompette, il comprendra que j'ai fait un mauvais choix. Le besoin de Dieu pour toi aujourd'hui, et que toi, tu puisses comprendre que tous les combats qui arrivent dans nos vies, toutes les difficultés que nous endurons, ne sont pas là pour nous détruire. Il y a d'autres difficultés qui viennent dans nos vies pour provoquer notre bénédiction. Et quand nous sommes combattus par les démons, combattus par les sorciers, Dieu peut utiliser ces combats pour notre bénédiction. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. On a tué tous les petits-enfants. Mais celui qui devait être tué était resté sauf. Il a gardé sa vie sauf. C'est lui qui voulait le tuer. C'est lui-même que Dieu avait utilisé pour sa protection. Dieu utilise nos adversaires. Dieu utilise nos ennemis. Ils sont là pour provoquer notre bénédiction. Si on t'attaque avant les temps, on provoque ta bénédiction. La deuxième des choses, il faut aller vers la bonne direction, suivre la bonne direction. Là où il y a la trompette, il y a aussi l'huile, et Dieu est enseigné là. C'est ça la parole que Dieu nous a donnée pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.